Et salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je te montre la fabrication de Bench Dog. Alors si tu sais pas ce que c'est tout simplement des petites platines antidérapantes qu'on utilise justement sur les ateliers pour surélever un petit peu, genre si tu travailles un plateau bois, pour pouvoir le surélever et pouvoir passer la défonceuse ou même la scie sauteuse si les Bench Dog sont assez hauts et que le plateau est suffisamment surélevé pour pas que la lame tape sur ton plan de travail. Bien sûr, ils en vendent sur internet. J'ai regardé un petit peu les tarifs. Des comme je veux, je suis dans l'ordre de 80 euros. Alors, je trouvais ça un peu cher pour du plastique et une petite matière de caoutchouc dessus antidérapante. Donc, j'ai décidé de les faire. Donc, je te montre ma façon de la fabriquer. Bien sûr, il y a d'autres alternatives. Donc, je te le proposerai. Moi, essentiellement, je le fais avec l'imprimante 3D parce que j'ai une imprimante 3D. Mais tu peux très bien le faire avec du bois. Et j'en parlerai tout au long de la vidéo, je ne vais pas me bloquer juste sur l'impression 3D, je vais te montrer différentes manières de le faire. Et tu verras qu'à moindre coût, avec de la récup, on peut avoir des bench dogs vraiment pas chers et vraiment destinés à l'usage qu'on veut en faire. Allez, c'est parti, à tout de suite, bon visionnage et on se retrouve à la fin pour le résultat comme d'habitude. Donc voilà, je modélise vite fait la pièce, je vous montre grosso modo ce que ça donne. Après, je ne vais pas m'attarder dessus, le fichier est téléchargeable, donc je le mettrai en description pour pouvoir le récupérer. Voilà, c'est juste pour vous montrer à peu près comment je me suis pris pour modéliser cette pièce-là, mais voilà, rien de bien compliqué. On fait un galet, on l'extrude à l'intérieur pour créer un petit rebord pour pouvoir mettre l'insert. À côté, j'ai fait la petite partie aussi pour le module MFT, pour les rallonges. Et ensuite, j'ai lancé tout ça sur Cura pour lancer l'impression 3D. Donc voilà, donc les pièces sont modélisées. Je te fais voir à quoi ça ressemble, tu vois. Donc c'est ni plus ni moins qu'un genre de galet. Je suis juste venu faire un petit chanfrein là à l'intérieur, un petit creux pour venir poser la matière entière dérapante. Et derrière un petit trou où on va venir y mettre un petit insert. Donc tu vois, cette pièce là tu peux très bien te la réaliser dans du bois, donc couper des ronds de bois classiques, un petit coup de chanfrein autour pour l'esthétique, mais voilà, rien de bien sorcier. Alors moi je vais mettre un insert qu'on sert pour les barres de métal notamment. Par contre, si tu le fais en bois, bah forcément il faudra venir mettre un insert bois tout simplement dedans. Donc pour la taille d'insert, je pars sur des inserts en M5, ça suffira largement. Le but, c'est ça va pas forcément tirer dessus, voilà, ça tiendra suffisamment. Donc voilà ce que ça donne, tu vois, il y a mon petit insert qui dépasse. Je vais faire ça sur les trois autres. Donc pour l'épaisseur de la pièce, j'ai fait plusieurs essais. Donc celle-ci, la taille définitive que j'ai choisie, elles font 22 mm d'épaisseur. J'avais fait hop, des un peu plus grosses, tu vois, comme ceci, en 30 mm. Mais honnêtement, voilà, ça fait un peu gros. Ça sert à rien strictement, à part bouffer du plastique ou avoir un plateau bois épais. Mais ça sert à rien. Du coup, en 22, ça sera plus facile pour trouver une épaisseur comme ça si tu veux le faire en bois. Et si tu le fais en plastique, bah, ça économise du plastique tout simplement. Et ça fait exactement le même effet. Pour la découpe de l'antidérapant, c'est simple, je vais utiliser un vieux tapis en silicone, un tapis de cuisson en silicone que j'avais acheté, je crois, à Action ou un truc comme ça, j'avais dû payer 2-3 euros. Donc je m'en sers plus, je vais le découper dedans, je vais faire ça à l'intérieur parce que là il caille, je ne sais pas si tu entends le ventilateur tourner, mais voilà, il doit faire 10 degrés, donc on va faire ça à l'intérieur. Je me coupe des ronds et également des ronds un peu spécifiques pour l'arrière et je te retrouve tout
tout de suite dans l'atelier. Donc voilà, donc comme tu as pu voir, donc j'ai découpé des ronds comme ça en silicone donc qui iront sur le dessus et j'ai également coupé le même diamètre de rond mais avec un trou au milieu pour laisser passer l'insert et pour laisser passer le support que je vais te montrer tout de suite. Donc le support c'est quoi? C'est tout simplement comme ça un petit bitonio avec un système MFT au bout donc qui permet de rentrer dans les trous. Donc moi je l'ai fait de cette hauteur, mais après tu peux les faire de toutes les hauteurs que tu veux. Pareil, ça je l'ai fait avec la modélisation, enfin l'imprimante 3D. Tu peux très bien le faire en bois. Petite astuce, tu prends un manche à balai en bois que tu usines un petit peu au bord avec la défonceuse et ça marche très très bien. Bon, maintenant avec l'imprimante 3D, voilà, je passe pas 3 heures à me faire chier. Je le fais, je l'imprime, je le modélise. L'avantage c'est que je pourrais modéliser d'autres pièces avec des tailles différentes, mais c'est exactement le même principe. Pour le bout, là tu vois, moi j'ai modélisé l'empreinte d'une vis, donc une tête hexagonale comme ça, je sais pas si tu la vois bien. Je vais venir la rentrer de force dedans en la chauffant un petit peu histoire que les bords refondent un petit peu sur le dessus et qu'elles tiennent bien. Si tu le fais en bois, donc avec le manche à balai ou autre, tu peux utiliser pareil un insert bois et il existe des vis avec double filetage en haut et en bas et une petite tête hexagonale au milieu pour pouvoir venir la serrer. Voilà, donc c'est largement faisable en bois, il n'y a pas de souci. Allez, je chauffe ça, je vais prendre une pince, un chalumeau et je vais mettre les vis et je pense que tu as déjà compris comment ça fonctionnait. Donc là pour le collage du silicone, je savais pas trop avec quoi le coller. J'ai regardé, j'avais des trucs de griffon là que j'avais gagné à un concours. Ça fait un moment que je les traîne, j'espère qu'elles sont encore bonnes. C'est les Polymax. Après je pense que tu peux utiliser la marque Sika, les Sika Flex, là, tout ce qui est silicone de toiture, tout ça. Ça colle à peu près sur tout. Je vais essayer, j'espère juste que ça va marcher. Allez, c'est parti. Donc pistolet. Donc on va coller déjà les faces du dessus. Donc tu vois, moi sur le silicone j'ai une face brillante et une face mat. Je vais coller la face mat. Ça a l'air de marcher, ça a l'air de faire un peu l'effet ventouse. Je vais coller les autres, je pense que ça devrait passer. Attention de ne pas faire le sagouin comme moi, j'ai fait un petit peu déborder là, mais bon. Donc voilà, les bench docks sont terminés. Donc avec la Polymax, ça marche bien. Je pense que si vous utilisez de la Sika Flex, ça marchera également parce que bon, c'est un silicone hein, tout simplement. Ça se détache pas, ça tient vraiment bien. L'avantage du coup, c'est que ça fait antidérapant. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, il suffit de les visser comme ça, de les mettre dans le système MFT. Et ça fait que vous récupérez de la hauteur par rapport à vos plans de travail. Et vous pouvez couper ce genre de choses avec la scie sauteuse sans risquer de couper le plan de travail. Là, je vais poncer justement le plateau ici qui est tout verni, qui est lasuré. Du coup, je ne vais pas utiliser les réos parce que j'en ai pas besoin. Mais je vais vous faire voir comme quoi, ben, du coup, ça grippe super bien parce que là, le plateau glisse énormément sur mon plan de travail. Et avec les bench dogs, du coup, ça le stabilisera et je pourrai poncer tranquillement. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker et à commenter si tu as besoin de plus d'informations. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien le faire avec du bois. Ça marche également de la même façon. Un rond coupé dans une planche en 20-22 mm, je pense qu'on est pas mal. Un petit insert bois au lieu des inserts métal comme moi j'ai utilisé.
Et voilà, et pour le support, ben, un tube, un tourillon, un manche à balai, enfin ça fonctionne pareil. Vous mettez un insert-bois avec une tige filetée et ça fera le taf. Voilà, allez, je vous laisse sur cette démonstration et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!